On peut te faire un bon prix, Victoire, hein, sur la, à la location. Non, mais je par pas. Louer le jardin, les louanges. ah, ah. Ah ah oui soit oh, le jardinier. Eh ben oui. Louer le jardinier. Un bon jardinier est un jardinier bien équipé. Alain, c'est ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas nous parler bon. d'un type de matériel dont on se sert beaucoup. Notamment, <laughs> en cette saison, ce sont les outils de taille. Et pourquoi tailler Première question. Pourquoi tailler Eh bien oui. Bah oui. Bah, tout simplement parce que vrai. certaines plantes prennent pourquoi trop de place pour réduire le végétal. Deuxièmement, pour favoriser avec certaines plantes la fructification ou la floraison. Et puis parce que ah. quantité de végétaux modernes aujourd'hui ont été fabriqués, euh, greffés, ah. et que si on ne les taille pas, ils risquent fort de retrouver leur apparence d'origine, donc de, de perdre l'attrait pour lequel on les avait achetés. Exemple, un cornouiller aux, aux feuilles panachées peut très bien, si vous ne le taillez pas, redevenir avec des feuilles tout à fait classiques, ordinaires. C'est-à-dire ah, que oui. sans, sans taille, ils peuvent dépérir carrément Bien sûr, pas dépérir. Ah. Retrouver l'état euh, euh, brut, euh, pas très bon, quoi, quoi. Quoi. Ouais. un ouais. petit voilà. peu moins beau. Donc, on va procéder. Règle numéro une, simple, on se rappelle que pour tailler les arbustes à fleurs, on les taille après la floraison. Ce n'est pas compliqué. Les arbustes qui ouais. fleurissent au printemps, on les taille au début de l'été. Et tous ceux qui fleurissent en été et en automne, on va les tailler l'hiver. Voilà. Mais pour les tailler, encore faut-il avoir de le bon matériel. Jeu. Alors, ah, on euh, commence euh, avec un incontournable, le sécateur. Oui, je vais répondre à la question que tu me posais tout à l'heure. Il y a deux sortes de sécateurs. Le sécateur classique, hein, euh, donc, qui, qui est, qui est le sécateur franche, que quoi. vous connaissez, où en fait, vous avez deux lames. Deux lames qui vont s'entrechoquer en quelque sorte, qui vont plutôt se frôler. Ces sécateurs sont l'idéal, l'idéo. Non, les Non, non, sont oui. l'idéal. Ah, Ça va aussi. C'est très bien. Donc, l'idéal de ce sécateur, c'est qu'il permet de tailler au mieux les rosiers, les arbustes, faire des bouquets de fleurs. Maya, par exemple. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle le sécateur à marteau. À le enclume. Sécateur à, à enclume, pardon. Ouais. pardon. En à ouais. enclume. C'est tout simplement un sécateur où il n'y a pas deux lames qui vont se croiser, mais une plaque métallique euh, qui, elle, ne bouge pas, ah, sur laquelle la lame, ah, qui, oui. elle, est mobile, bouge. Donc, voilà, ouais. tout simplement. Et comment tu arrives à choisir, toi, un, un bon sécateur C'est quoi C'est la prise en main qui compte Prenez le modèle simple. Prenez le modèle euh, qui, qui vous permet d'avoir effectivement une bonne prise en main. Et alors, ce que je veux dire ne fera peut-être pas très plaisir aux fabricants. Évitez ceux qui vont vous vendre, par exemple, les lames de rechange, les ressorts de rechange. On finit toujours par les paumer. On ne les ah récupère oui, pas. Une fois que c'est démandé, voilà. on mondé, pas évident. Donc, prenez des Essayez-les un petit peu. Par exemple. Euh, mais ils sont dans l'emballage, tu ne peux pas les essayer. Oui, mais par c'est parce que je les offre. Quand ah je n'offre pas comme ça. Non. Vous devriez plus croire que vous avez volé. Tiens, victoire, c'est pour toi. Oh ah ben merci. Voilà, un très joli euh, sécateur. Voilà. Euh, mon premier cadeau, de... Alain, Voilà, tout à fait. Ah, voilà. ah oui, ça Mais... commence. Mais... Ah. Voilà. j'ai l'impression qu'il y a. J'ai également prévu, parce qu'on parle de cadeaux, on parle de sécateur, hein. Les gants. les gants qui ah, vont ouais, avec. Bien sûr. Très oui. important. Par contre, on est un peu embêté, Alain, hein, parce que c'était essentiel pour les téléspectateurs. <laughs> mais euh... non, pas okay. du tout. Ah, mais je suis venu je, je je en camion. Là. Ah, d'accord. Ah, ouais, t'en as ah, on aussi pour les téléspectateurs Pour faire plaisir à tout le monde. Oh là là, c'est incroyable. Donc, on n'oublie pas les gants, je le dis, c'est très important parce que les on doigts sont précieux. On se rappelle également qu'il y a une maladie terrible. On parle beaucoup de virus en ce moment. N'oublions pas le tétanos qui a fait des dégâts considérables. Donc, on met des gants et on choisit le sécateur le plus adapté et en fonction de l'utilisation. Maya oui. Si tu as simplement une petite terrasse avec quelques arbustes, prends donc le sécateur le plus simple, celui-ci que je t'offre. Oh aussi. Bah oui, bah, merci, voilà. merci Alain. Ça c'est le modèle à simple. Les filles, en ah, fait. Oui, et uniquement aux filles. Ouais, et ah. alors attends, ça c'est pour les petites branches. Si oui. on passe à plus gros maintenant, il faut utiliser. J'ai prévu, ah. j'ai prévu. Ah. Le coupe-branche, non eh bien, ah, ah oui, oh là ah. oh là, oh là là et Ça, ça va être pour nous le cadeau là. Pour oh, le gros là, engin. Voilà. Eh bien, oui, tu ne me crois pas si bien dire tu es du barreau, ça, ça peut <laughs> permettre. Ouais, oui, oui, C'est pour les ça. Pour barreau quand même. Ah, parce parce que là. Voilà. Donc, ça, ça permet les grosses branches. Je voudrais quand même rappeler. Surtout que c'est réglable, ça, oui. Ça, c'est pas oui. mal. Oui, mais je voudrais ouais. surtout rappeler qu'un végétal est un être vivant. ce n'est pas le tout d'avoir des outils qui coupent. Encore faut-il se rappeler que la plante peut en souffrir. On ne coupe que si nécessaire. Toute coupe, Maya, je le répète, toute coupe favorise dans le bois la pénétration des virus, et bactéries oui. et champignons. On ne taille que si nécessaire. On taille régulièrement plutôt qu une fois tous les 15 ans de manière drastique. Non, mais est-ce qu'on on... taille tous les ans Tout dépend du végétal. Ah, si on doit okay. éviter qu'il prenne de l'ampleur, oui. Et on évitera bien évidemment d'avoir un gigantesque végétal pour le rabattre, ouais. sauf cas particulier. Eh bien, oui. Tu ne rêves pas. C'est un mais cadeau. Non. Ah non, oh. ah, c'est enfin, générosité sans nom aujourd'hui. Ah, mais est honnêtement, oui. Qu'est-ce oui. oui. Qu qui t'arrive J'avais mis... envie de vous faire et plaisir. Et ce qui est formidable avec ça, c'est que c'est réglable. En hauteur. C'est plus grand que moi oui. Tu peux appuyer sur ça. les petits boutons tu vois, et ça te permet de régler en hauteur. Mais et donc, ça veut dire que tu peux avoir des branches qui te tombent dessus aussi. Oui, tout à fait. D'où l'importance. Alors, pas seulement le casque. Le casque, pourquoi pas les gants, très importants. Les gants. Les, les bonnes vieilles. Le, les lunettes. Les, les lunettes. gants, oui, je veux dire les, les bonnes vieilles lunettes ouais. qui vont vous éviter la poussière. On n'a pas idée de toute la poussière que l'on peut prendre. Des copeaux, de l'assure. Il y a parfois des petites échardes extrêmement dangereuses. On met donc, petite casque, si on a, on met des gants, on met des lunettes. On met des vêtements également. n'as pas de, de casque à donner Non ou de, parce que ah. non parce que ça veut un petit peu ah, des, des chaussures voilà. de sécurité. Alors <laughs> si on le peut, mais ça, on est dans le jardinage, ouais. on est dans le plaisir. Ne confondons pas métier et passion. Je vois difficilement Maya. Sur sa terrasse de 850 non. mètres carrés avec des chaussures de sécurité. Ça aurait beaucoup d'aller. Disons alors un, un outil encore plus gros que le coupe-branche, on a les chenilloirs. J'en parle à chaque fois, ah, oui, c'est ma fierté, ah, oui. ma fierté professionnelle. Nous sommes dans les années 1680-90, des chenilles ont fait leur apparition dans les chaînes de Versailles. Catastrophe, il faut couper les nids. Ah. Alors le nôtre demande à ce qu'on invente un appareil qui permette de couper en hauteur la branche. Où s'est développé le nid, les Chéliouas. Il est Chelilles. né à Versailles. Mais oui, mais oui, oh. mais oui. gloire à André Lenôtre et gloire au jardinier. D'où les louanges de tout à l'heure, ouais, évidemment, très important. On va, va jusqu'à combien avec ça Alors, tout dépend. Déjà, alors. Bah, moi, c'est compliqué toi. quand même déjà au départ. Ah Donc, oui, euh, tout tu dépend. Ouais. Ah, bah. mais ça peut <laughs> aller jusqu'à 5-6 mètres. Hein, ça peut ça aller jusqu'à 5-6 mètres. À 5-6 mètres, on utilise une nacelle. Hein, ouais, un échelon noir, c'est à peu près 2, 3. Il y a des modèles télescopiques, ah, 4 mais... mètres grand maximum. Hein. Et puis vous avez aussi donc, voyez, ce système maintenant, les lagures sans fil avec des petits moteurs. C'est moderne, c'est chic. Ça fait des très très jolis cadeaux. Eh bien oui, c'est encore pour encore? toi. Encore Oui. Wow. Ah, me... J'ai rien eu, Alain. Non, parce que tu le mérites mais as pas. Pas... Mais as pas. Et de... t'as pas de jardin. Non, pas Fabien, de jardin. Et Fabien, il peut ah se peuvent Non, broncher, Je supporte je... pas. Je... Il n'aura jamais rien. <laughs> c'est pour un avoir... voilà. oh, bon. mois. Non, mais, ah, mais c'est merveilleux. Je... je rappelle également que quand on a fait les coupes, que fait-on des coupes Un, on ne les brûle pas. Deux, dans le jardin, on ne détruit jamais un tas de branchages en hiver. Il y a de fortes chances que sous le tas de branchages, une petite bête dorme. Je pense au hérisson. Ah oui. Trois, Froid. Évitez d'acheter les broyeurs. Ça se fait beaucoup pour broyer les coupes. Ça fait du bruit. C'est pas très intéressant. Ouais. Mais pourquoi ne pas utiliser les jeunes coupes, justement, sur le compost pour le mettre au-dessus La décomposition des jeunes brindilles, c'est ce qu'on appelle le BRF (bois raméal fragmenté). Ouais. Je sais, c'est admiratif. Oh, c'est magnifique. Voilà. voilà. Et c'est paraît-il excellent Mais pour le jardin. Mais rappelez-vous. On ne taille que si c'est nécessaire, on taille toujours lorsqu'il ne gèle pas, ah. et on a oublié, par contre, pour les haies. Ah, les haies, bien, ben sûr. Oui. Oui, bien sûr <laughs> oui. Et c'est pour Et oh non, oh non, non Non, c'est trop. Oui. Oui. En vrai, c'est pour aucun d'entre nous. Tu vas, les, tu vas les offrir, Alain. Tu vas les faire gagner. Eh ben je vais les, les offrir. Ah, bien sûr. Voilà. Alors moi une question par rapport au gel, c'est important ça parce que est-ce qu'on peut tailler avant des grosses périodes de gel Alors on peut tailler avant les grosses périodes de gel. Après, jamais pour une raison simple. La plante a besoin quand elle a été coupée de faire un bourrelet de cicatrisation. Or elle ne peut pas réagir quand il y a du gel. Ah. Voilà. Mmh. C'est comme si on t opérait. Même d'une petite, euh, de quelque chose de simple. Et tu feras un bourrelet. Non, mais 100 mètres de polyp poly léger. <laughs> voilà, par exemple. <laughs> hein. Tu as fait un bourrelet de cicatrisation <laughs> et, Non, non, mais il faut penser à la cicatrisation et une plante par de gel ne peut pas cicatriser. On va revenir Bravo. à ta générosité pour ah. terminer, Alain, parce que tu ah. vas offrir donc Allez. à nos téléspectateurs alors, un kit. Alors, alors, un kit avec, avec tout un couteau hein. branche, branche. télescopique, un sécateur, un un sécateur à lame franche. Oh et, et une paire de gants. Non, non, non. Incroyable. Le trésor. Oh, et, oui. et pour ça, il faut aller sur la page Facebook de La quotidienne pour gagner ce merveilleux kit ouais. que nous offre. Bah ça bravo. C'est un bravo. cadeau Merci. magnifique. Oui. Alain.